Hello les runners, donc aujourd'hui on est à Millau, on est le 27 mai, je vais participer à la course Eiffage du Viaduc de Millau, c'est une course qui a lieu tous les deux ans, donc au programme 23 700 km de course aujourd'hui, dont une belle grimpette jusqu'au tablier du viaduc, le plus haut viaduc routier du monde, qui a un dénivelé total de 390 mètres. Je suis chaud, Natacha. Allez, à tout à l'heure. Merci, Joannette. Merci. Merci, Axia. Merci d'être avec nous. Vous êtes lancé. Salut, salut. Merci infiniment. Salut, Sylvain. Bonne course. C'est trop top de vous voir, là. C'est trop top. Voilà, après une grosse montée. Grosse montée, enfin pas très longue, mais assez importante quand même au niveau du dénivelé. Nous voilà sur le pont de Millau, ça y est, sur le viaduc. Donc, un grand spectacle. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a à peu près 13 000 coureurs sur le pont. Enfin, prévu sur le pont. Donc, le temps est un peu gris. Mais bon, c'est quand même très clair quand même et c'est vraiment génial.
Donc bah, ça s'est pas trop mal passé, on a eu un temps super, un petit peu de vent qui faisait du bien quand il faisait chaud. Bon, on a quand même, j'ai quand même un peu souffert à la montée sur le viaduc. Après, bon, bah, c'est vrai que je pensais qu'on faisait que la moitié du viaduc, mais non, on va jusqu'au bout. En fait, on traverse vraiment tout le viaduc, on fait demi-tour au bout du viaduc, et après, c'est pratiquement que la descente. Bon, les organisateurs nous ont fait une petite farce, on va dire, parce que juste à la sortie du pont, on descend, on arrive au deuxième ravitaillement. Et à la sortie du deuxième ravitaillement, il y a une bonne grosse montée sur à peu près 500 mètres. Ça monte, ça monte, ça monte, ça n'en finit pas. Et après, par contre, c'est que de la descente, donc les courants pour les genoux. Mais bon, ça c'est fait, donc voilà, bon, moi, je suis bien content. Hein. J'ai terminé en 2h30, un peu plus de 2h30. Voilà, il y a une jolie médaille, j'ai l'impression de la voir. Voilà. J'espère que la petite balade vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a vraiment bien plu. Donc ben, je vous engage à essayer de faire cette course hein, qui a lieu tous les deux ans. Donc la prochaine, ça sera maintenant en 2020. Et puis ben, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce sur la vidéo. Et puis bah sinon je suis toujours visible sur le blog. Voilà, allez à plus tard, salut.